La seule chose, il faudrait que tu sois converti. Il faudrait que ton cœur soit totalement à Christ. C'est ça. Il ne faudrait pas que ça soit à moitié. Il faut que totalement ce cœur soit totalement à Christ. Est-ce que m'a bien saisi? Amen. 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 Je disais là hier, il dit, il a des yeux là. Vous savez, il n'y a jamais l'amour sans sacrifice. Ça la pire qu'on aime une personne. Tu ne vas pas appliquer, n'est-ce pas? C'est voilà. Pas des écoles là. Pourquoi il y a des pires quoi? Souvent, il y a des petits textos. Il y a bien informé. Quand tu viens, tu es content. Il y a même qui en a pas le bon, il voit pipi. Pas nous, je bon, non, mais il y a bien Jésus. Tu dois être en contact avec lui. Mais nous, c'est normal, nous, les roues. Dans la prière. Bien, les hommes. Et la méditation de la parole. Et la gorgone, Google et c'est tout. Et la vie, la foi vient de ce qu'on attend. Vous savez, le principe de la spiritualité, il a même mis une pas. C'est la foi. Jésus va dire, il dit, que ta foi. Il s'est passé la foi. N'a peut-être combien plein. Ta foi. C'est ta foi. Tu t'apporteras quelque chose. Mais ne balayez ne pas. La foi vient de ce qu'on attend. Amen. Nous, de ce qu'on attend de la parole de Dieu. Nous, amen. Je vous encourage, je lis la parole. Oui, ne jouez pas avec la Bible. À la Bible, on est pris. Méditez la Bible. À Google, ne jouez pas avec ça. À la Bible, on est pris. Et la Bible dit que ne vous bornez pas seulement à écouter, mais à mettre la parole de Dieu en pratique. Tu veux voir Dieu se manifester dans vos vies. C'est une question des positions des mains de quelqu'un. Il faut que vous-même, vous soyez approché à la parole. Et vous marchez selon cette parole de Dieu. Comment Dieu vous regarde? Pas parce qu'il n'est pas prêt à vous délivrer. Vous n'êtes pas prêt à faire chemin avec lui. Parce que Dieu ne bénit pas n'importe qui. Il va te bénir, tu vas aller ailleurs. Non, il préfère ne pas te délivrer. Parce que les gens viennent justement pour nous guérison. Il faut être délivré de quelque chose. Et Jésus, ça les intéresse. Il vient juste pour être guéri. Il vient juste pour être délivré. Mais la marche avec Christ, non. Mon âme connaît. Je vous assure. C'est pour ça que par moi, le miracle de toute personne. Mais balé, à un moment, il y a quoi, il y a eu des sons. Donc ils viennent sont. Ils sont délivrés. D'autres personnes viennent. Ne vous m'avez fait là, il prend de ton cœur. N'a pas les quoi, gueillez pas. Tu prends de ton cœur. Il n'a pas les quoi. Il prend la pensée de chacun d'entre nous. Le coffre, quoi, comment vous voulez, il veut que Dieu les débarrasse des sorciers. À un moment, le goukam, il y a un peu de temps à marcher avec lui. Maman, on est bon, on a pris un canon. C'est calé. Amen. D'autres viennent, mais il faut que Dieu les, Jésus les protège. À un moment, il y a la bonne joie, Guiglé. Mais il ne vit pas une bonne vie. Vous pouvez être un écho de Dieu. Non, Jésus. Donc c'est tout ce que Jésus regarde. Il tient compte de tout ça. Venir et délivrer. Amen. Dieu délivre. Si Dieu voit ça en toi, c'est ça. Il ne voit pas son intérêt en toi. Il ne peut dire que Wani Oli, il n'y a pas de côté. Ça, c'est un sens propre, cette fois-ci. Ah, non. Alors, copain. Moi, ça va, on ne l'est pas. Ça va, vite, vite. Fanfan, on ne l'est même pas. Voilà, moi, qui dis, là, toute la région veut te manger. Là, il faut mettre maille, bon, vous gardez bien la côte, il va te manger.
Mais cela dépend de toi. Mais il vit moi. Tu dois te poser la question, pourquoi Dieu n'agit pas? Qu'est-ce qui fait que Dieu n'agit pas? Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Nous allons écouter la parole de Dieu. Nous allons parler de la journée. Vous savez, quand Dieu te fait la grâce de connaître le jour, la journée, c'est une source de bénédiction. C'est pas tout le monde qui a cette grâce de se réveiller. Le fait de se réveiller est un miracle. Dormi. Tu sais où tu es? Tu sais, il dit aux gens même, respectez Dieu. Azul, la bonne. Et les gens même ne savent pas, Dieu est trop bon. Je vois qu'il m'assoit de mon lit, puis il regarde, il dit, c'est trop bon. Sommeil, c'est comme la mort. Il commande, il est dans le fou. Il est parti. Il doit même tomber ta main, tellement qu'il aime dormir, on peut le soulever. Il s'en fout. On ne peut plus au quand tu te lèves matin, c'est une grâce. Il est là, on est pas. Avec tout ce que je passe dans la nuit. Amen. Nous pouvons plus débé. Les mangeurs d'âme. Eh oui, leur grand moi, vous camion. Et Dieu te fait la grâce. Le mal avant n'a pas eu. C'est une bénédiction. Il est mieux parler. C'est à lui parler, mon fils. La seule chose, c'est que nous ne donnons pas trop d'importance à Dieu. Et c'est dangereux. Il doit être l'alpha et le méga de notre vie. Tu démarres avec lui et tu finis avec lui. C'est comme ça. Quand tu te lèves de ton lit, la première action, c'est de dire merci à Dieu. Il y en a où quoi? Le souffle de vie. On y en a pas. Tout de grâce. Il est pas cadre. Amen. Amen. Les gens s'en foutent. Quoi? Wadini Piyako. Mon temps que je n'ai pas prié. Amen, si Bibi. Je ne sois pas dans ma chambre. Mais pourquoi même? Je ne parle même pas avec quelqu'un. Il n'a pas dit que Dieu est bon. Je prie d'abord. Une Bibi est bon. Il m'adresse à une personne. Bon, il n'a pas dit que Dieu est bon. Vous, c'est quand vous faites de causer, balayer. Agni, akabé, mouli, akabé, prie. Mais t'as béni à Kéron, bien sûr, amen, akabé, Bibi. C'est à lui qu'il doit nous adresser d'abord. Moi, à ça, Anna, c'est qu'à Bougou, nous sommes en nous. Amen. Dieu aime bien ça. La remis au roi. Il dit, j'honore celui qui m'honore. Oh, non, ça va. Dieu aime bien ça. Mais la roi. Vous, ça vous dit rien? Ah, il nous a fait. Vous avez les gens avec ton téléphone. On n'a pas de la gueule. La première personne. C'est Capco. Il veut parler. Il nous dit ça. C'est Dieu. Moi, les gars. Amen. Parce qu'il est le maître de ta vie. Moi, les gars. Celui qui t'a donné le souffle de vie. Ah, quoi, c'est lui. Moi, tiens. C'est à lui qui t'adresse d'abord. Moi, ça dit bon. Là, tu parles à d'autres personnes. Bon, on est une carte à quoi qu'avec Dieu. Amen. Amen. Mais il y a des temps de prière. Il y a des heures stratégiques de prière. Amen. Et je vais parler un peu de ça. Le même concas, quoi, j'ai c'est vrai que la répétition pédagogique. Oui, oui, que continue à dire. Non, je suis un enseignant. Vas-y, Amé, tu as écrit à quoi? Amen. Vous savez, c'est à partir de la nuit. Devenez. Que le jour. C'est la nuit qui produit le jour. Devenez nos guéguésés. Amen. On dit Amen. 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 C'est à partir de la nuit. Debe. C'est la nuit qui produit le jour. Debe dans nos yeux. C'est cela qui regarde dans ta vie. Vous battez dans vous pouvez amener. Il y a des moments d'obscurité, il y a des moments de ténèbres. Mais vous tirez. C'est ça qu'il faut croire.
Un jour apparaîtra, ton jour arrivera un jour. Le monde est ténèbres. L'obscurité, on ne voit plus rien. Tout est difficile. J'ai l'impression que tout est difficile. Le noir que toi. Tout est fermé. C'est le moment de lui. Dieu commencement, Dieu créa. Il jouait la nuit. Il y avait d'abord les ténèbres, la souffrance, la terre. Nous regardons la nuit de Genèse. Et Dieu dit que la lumière, que la lumière. Tu t'es là pour d'abord. Quand on est là, les yeux. Tu t'es mort en open. Et c'est ça tu vis. Mais des moments difficiles. Mais quoi, c'est sérieux. Mais à la titan. Amen. Mais quoi? Ma telle idée. Quelle que soit la longueur de la nuit, Dieu bénit pour que la belle vision. Amen. Amen. Un jour va apparaître, ça y arrive. Mais regardez, David dit, c'est avec Dieu. David, le qui est Dieu? Moi, l'ai là-bas. Parce que Dieu commence, Dieu a dit, c'est Dieu. Le mot est là. Il a ordonné que la lumière. Oh, il en a marre. Celui qui a ordonné. Oui, toi, tu es dans le monde de l'obscurité. Quel est le Dieu qui te conduit? Je ne sais pas, Yahweh, le Dieu d'Israël. Le mot d'Israël, la voix. Si je vois le jour. La minute. Dis amen. Amen. Salut le Créateur du ciel et de la terre. Amen. Tous ceux qui seront sur cette terre, nous serons confrontés aux difficultés. Il y a des choses mais qui vont nous dépasser. À quoi même les pensées dans mon suicide. Ne comprends rien, ta vie chamboule. Tu as fait des programmes, mais du coup, tout en train de chambouler, tu ne comprends rien. Mais quel est le Dieu qui t'en conduit? Ce n'est pas parce que Dieu te conduit. Tu as pas mal de difficultés. Même Israël, la Bible déclare que pendant le jour, c'était une nuée qui conduisait Israël. Il en a dit par la moyenne. Amen. Amen. Et la nuit, une colonne de feu. Le débécanine, nous causons. Mon parent, la moyenne. Vous regardez un peu. C'est ça qui conduisait Israël. Mais par là, d'Israël, la présence de Dieu. C'est ça qui les orientait. Mais par là, dans moi, les amènes. Amen. Et quand vous regardez un peu la colonne de feu, la nuée. C'est intéressant. Parce que Israël traversait le désert. La traversée du désert. Et dans le désert, il y a beaucoup de choses. Amen. Il y a des difficultés dans le désert. Tout ce qui est dans le désert est très dangereux. Vous savez qu'il y a le soleil dans le désert. Donc la colonne, la nuit, c'est le d'avril. On dit la colonne, il ne sentait plus la chaleur. Le titre qu'a vu, il ne parlait plus de rien de bon. Amen. C'est ma chaleur. Vous savez que dans le désert, il fait très froid la nuit. Le golfe, il y avait une colonne de feu. Vous les réchauffez un peu. Amen. Amen. Malgré ça, il y a eu des peuples qui ont combattu Israël. Malgré qu'ils les conduisaient, ils étaient confrontés à certaines difficultés. Peut-être après la traversée de la mer Rouge. Dieu n'a pas parlé, n'est pas descendu. C'est Moïse qui est monté sur la colline. Moïse m'a voulu du bocri. Il allait prier. L'homme ne dit qu'à. Amen. C'est que l'âme du chrétien, c'est la prière. Si quelque part, le diable s'installe. C'est fini. Il prend le contrôle, il te détruit. C'est ça qu'il faut prier. C'est vrai que tu es en Christ. Ce que Dieu te demande, c'est la prière. Moïse a commencé à prier. Et puis à un moment, il a commencé à s'affaiblir. Il a été soutenu par des gens. De quoi soutenu d'aller à Aaron et puis. Aaron et U. Ils l'ont soutenu jusqu'au coucher du soleil. Les données ont changé. La persévérance dans la prière. C'est malin. Il y aura assez de grâce et de bénédictions. La bonne nuit, pas les cas de Gozo. Amen. Et puis c'est la prière. C'est la clé. Mais les saffes. C'est la clé de toutes choses. Mais les saffes. Quand Jésus dit vous donne la clé, c'est la prière. D'abord, quand il y a les saffes, Bibi, il y a mis un sac à eau. Ça, c'est clair. C'est là. Un homme qui prie. Une cas Bibi.
il voit toujours Dieu aller dans sa vie. Oh yeah, la goye là pour nous pour vous aimer. Et la chose que Dieu, le diable va attaquer dans ta vie, les aimants, les venants, les mamans, les nonnes, vous vous aimez. C'est ta vie de prière. Eh, la Bible vient nous en écouter. Le jour il est où tu n'arrives plus à prier, tu dis quoi, Bible vient. Il faut commencer à pleurer. Tu n'as pas le jour. Ça finit. La nénée vient. Le diable a gagné le terrain. Dieu vient sûr. Parce que le diable a peur de ceux qui prient. Dieu vient, il y a Bible maman sans le camp. Le seul problème, c'est que vous démarrez. Ah, il y a qui con. Il y a un monde réveillé. À tête de quoi, qui a con. Seigneur. Oui, yo. Tu ne mets pas, mais tu es parti. Nous dit amen. Il va dire, il va prier dans le lit. Non, il ne va pas sur vous, Bible. Les choses sont très dangereuses. Non, 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 non. Il a encore le contact le lit. Quand vous prenez, il va le coup sur vous. Tchon. Vous êtes venu, j'ai pris dans mon cœur. À un moment, là, il faut le couper bien. J'ai pris dans mon cœur. Il faut le couper bien. Pour le cas où. Ça, quel temps vous respirez, il peut prier. Et quand il y a un peu, c'est quand il y a un, il ne va pas. Amen. Amen. C'est une bonne manière de prier. Il y a un cas où il y a un bien. C'est de se prosterner devant Dieu. Pour la roïque, cotoïque. C'est bon. Et pas le roi. Parce qu'on ne parle pas un roi comme un ami. Mais c'est le bignon. On est là, bien le voyant. On est là, bien le bignon. Amen. Amen. Oui. La prière. Bible dit, mais je vous assure, si vous priez, vous avez une vie de prière. Aka Bible, maman, rien. Rien. Ne pourra vous résister. Rien. Si vous priez, Dieu sera obligé de vous révéler les choses les plus cachées. Parce que la prière, c'est le contact entre l'homme et Dieu. Bible dit, donc je viens de parler. Il dit, invoque-moi, je te répondrai, Jérémie 33, verset 3, je t'annoncerai les grandes choses, les choses cachées que tu ne connais pas. D'abord, il faut l'invoquer, lui va te répondre. C'est quelqu'un qui est constamment dans la prière. Même si ce n'est pas d'une manière audible. Mais ton intuition, tu peux parler à ton intuition. Ou bien dans les songes, je peux te donner un message. Donc c'est pour ça que vous devez aimer la prière. Soyez les hommes et les femmes de prière. Amen. Et la prière là, c'est pas une prière, non, Seigneur. Jésus, tu es bon, tu es merveilleux. Tu es adorable. Amen. Jésus dit à disciples. Vous ne devez pas prier une heure. Une heure du temps au moins. Vous n'avez rien fait au moins une heure. Et puis ça fait une Bible, le même double. Vous me regardez. Une heure du temps. Mais vous-même faites pas une heure du temps téléphone portable. Ah, il y a deux heures là, mais à quoi tu es là? Écoutez, l'être humain a besoin d'énergie. On bat la tête, il y a combat. Oui. Comme une batterie. Il est dans le diawar. Quand tu finis de parler, là, ne charge pas. En moins d'une heure, c'est pas possible. Mais au contraire, il y a un double, mais combien il y a d'aller. Donc c'est la charge. Quand tu parles avec Dieu, tu es chargé. Il est dans la natin. Il a la volonté. J'ai une force sortie de moi. Que le tête est blanc ou l'âme. Amen. C'est la force de la puissance. D'avoir les têtes. Quand tu es en contact avec lui, il charge. Après que celui qui te touche a des problèmes. Il va aller carrément. Comment il va garder ça? Oui, celui qui te touche a des problèmes. Il carrément mon corps. Oui, et quand tu es constamment dans sa présence, le coup, c'est difficile même au diable d'avoir accès à ta vie. Devenez le coup encore plus mignon. Jésus avait une vie de prière. Et la vie de prier sans cesse. Quand vous priez constamment, vous êtes un danger pour le royaume de Satan. Parce que l'âme du chrétien, c'est la prière. Et quand Dieu vous a donné le pouvoir, le Christ est grand, c'est dans la prière. Amen. On dit amen. Amen. Le problème n'est pas une vie de prière. Amen. Il faut que l'homme de Dieu vous donne gêne, vous gênez. Deux fois moins dans la semaine. Mais tu dois avoir une vie. La vie chrétienne est individuelle. La vie, le salut est personnel.
Tu dois avoir une vie de prière. Tu dois avoir des soeurs, des rencontres avec Dieu. Amen. Dans la matinée, tu dois, matin, tu dois chercher. L'après-midi, le soir, le soir, Philippe, trois fois dans la journée. Il faut avoir des moments. L'après-midi, on peut comprendre qu'on va 30 minutes. Tu pries. C'est là d'autres personnes, ils s'en foutent. Seigneur, merci. Et tu veux quoi? D'autres mecs se blessent. À un moment, on sera du doigt vers le coup. On va aller là. Ils n'ont pas le temps de dire amen. Ils avalent ça. Amen, et achète toi. Comment sorcier va pas te manger? Je sais que quand il est là, il est là, Donc, sorcier te voit en ton. Amen. Avant de dormir, vous présentez l'état de votre vie au Seigneur. Il y a eu beaucoup de péchés. Et avant d'aller dans le lit, il faut être convaincu que tu n'as rien contre quelqu'un dans le cœur. Parce que la Bible dit que le soleil ne se couche pas, c'est vous assure, faut que tu gardes quelque chose. Tu es exposé au diable. Tu gardes rien dans le cœur. C'est une porte d'ouverture. Ça t'a fait mal. Avant d'aller dormir, Seigneur, laisse, j'oublie. La Bible dit que le soleil ne se couche pas. On se pose la question, mais les chrétiens, ils prient, les chrétiens, les baptisés, pourquoi les sorciers arrivent à la voir? D'autres aiment bien garder rancune. C'est très dangereux. Il y a même bien des gens comme ça. C'est pas facile, hein? Faut laisser tomber. Non, tu t'exposes au diable. C'est là qu'il envoie mal. Beaucoup de choses. Parce que tout se passe dans la nuit. Mais c'est devenu où vous plaignez. L'arrestation de Jésus s'est faite dans la nuit. Jésus dit, Satan vient. Rien à moi. Et qui Jésus dit, Satan vient, n'a rien à moi. Parce que ce qui aime, ce que Satan aime, c'est le péché. La désobéissance. Donc avant de dormir, vous n'êtes pas qu'il accepte ta vie qui vient te détruire, te matraquer. Il faut être convaincu que tu as tout laissé. Avant de dormir. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Même si monsieur est fâché, il a arrangé ça. Le mur de Berlin. Amen. Amen.
Il y a fâchement dans la chambre, tout le monde est fâché. Personne ne dit à son ami. Personne. C'est dangereux. Amen. Une maison divisée. Serait maman. Elle ne va jamais subsister. Anna Kokao. Il y a un monsieur qui a fait parler avec sa femme. Combien nous nous le voudons? Non, nous ne parlons pas dans la maison. Cela nous rappelle. Où est-ce qu'il y a? Quand il veut se parler, c'est le bébé. Il y a un cas, il le dit ça. Il est fou à vous. Non, non, il ne va pas donner le bébé. Non, mais il ne va pas donner le bébé. Il avait un rendez-vous très important. Il est en quoi 4 ou 4 derrière? À 7 heures. Donc, bonjour, il est. Rendez-vous des millions qu'il va prendre. Mais dans la ville, là, où est-ce que vous là? On a les femmes. On est bien. Non, il est écrit. On dit gay. Papier. Il fout à quoi? Il vient sa femme. Il est là. Il est là, 6 ans. Dans la ramée, donc, il faut à quoi? Il y a rendez-vous à 7 heures, c'est là. Moi, c'est donc. Bonjour, on est là. Dans la rue, on est là. Elle a rien dit à la rue. Où le guide, on dit donc. 6 heures, elle a écrit, mais c'est pas de lui. Quelle est 6 heures, elle a écrit? Elle a mis papier là, près de lui. Oh, gay, 6 heures, il est là, gay. Donc, il fout à moi, il fout. Là, on est pas galant. Ah, mais même maintenant, même maintenant, oh, j'ai dit, il est 6 heures. 6 heures, il dit, KO. Donc, je me fous, on est encore, réveille-toi. Le fou à Kali, c'est encore galant. Ah, le retour à l'envoyeur. Mais d'accord, toi qui as commencé ta chose. Gégé. Moi, si je n'ai pas fait, bon, d'accord, mais il a fait. Nana, il se réveille les 9 heures. On parle de l'envoyeur. Il est fâché. De l'union, il est. Du coup, là, on va bien. Il faut réveiller la feuille. On va battre le fou à Kali. C'est là un galatama. Bâtir le fou à Kali. Elle a commencé du pardon. On est en train de se réconcilier. La carte de réconciliation, ça va pas. C'est pour dire qu'il y a des choses dans le cœur. On ne dit pas la maison. Il n'y en a que les gens qui ont réglé les choses. Amen. Amen. Alors je vais parler de l'Europe. Je reviens encore sur cet enseignement. Psaume 119, verset 147. 119. Toutes ces règles-là, l'Europe, tout, c'est à partir de l'Europe, si c'est tout ce qui se passe. Quand on dit bonne journée, c'est à partir de l'Europe. La vie est faite, c'est ça? Tu les connais pas, ceux point pas devant, 5 pas en arrière. Et la France, tout ça va parler. Est-ce qu'elle veut que je l'aide? Je peux lui demander, est-ce qu'elle veut qu'on l'aide vraiment? Tu as peur? Je ne comprends pas, français. Elle va laisser son soubara là. Non, moi, il ne voit pas clair. Peut-être. Tu as ça. Pour la laisser. Madame, la vieille, moi je sais que tu as ça. C'est un peu de honte à mes vêtements. Sinon, tu as ça. Mon détecteur l'a dit ça. Ça apparaît que dans ma tête, a dit que tu as ça. Comment hein? Non, je te dis. Ça devrait être. Oui. Tu as dit. Calme. On a monté les camions à nouveau. Je ne connais pas. Elle connaît. Vous
je vous ai fait sorcier. Soyez courageux de dire un effet. Deux mois. Il nous n'est qu'un. Amen. Laurent, dis-le, il faut plus. Il t'envole. Faut pas parler comme ça. On est un vrai chaos. Tu vas parler seul. Quand les gens viennent de parler, toi, tu fais comme ça. Il lui est resté sur toi là. Tu vas aller mourir chez toi là-bas. Sorcier. On est de t'aider. D'accord, créé, nous, 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 nous. Ok. Somme 119, le verset 147. Le somme flammé à Bakia. 119. 147. Va venir sur. Je vais te chasser aujourd'hui. Donc tu n'es pas souvent là. Elle n'est pas souvent là, non? Tu es pas là. Moi j'aime celui qui est malade. On y a moi, elle est malade. Elle n'est pas malade. Tu n'as pas souvent là. Tu n'as pas souvent là. Si tu n'as pas ça, tu vas partir chez toi. Petit Gouka, il est le comme nous. Allons-y, Somme 119, le verset 147. Allons-y. Je dévance l'aurore. Je dévance l'aurore. Tu me laisses vivre. Pour implorer ton aide. Pour implorer ton aide. D'accord. J'espère à tes promesses. J'espère en tes promesses. Il dit, je dévance l'aurore. Dévancer l'aurore, c'est précéder l'aurore. Tu me laisses vivre. L'aurore, j'explique l'aurore. L'aurore, c'est quoi? Il va aller à Zidio. C'est l'aurore qui fait la transition. Mais il y en a pas. Hein? Entre le jour et la nuit. Le jour et la nuit. C'est à partir de l'aurore que tout se décide. Tout se décide à partir de l'aurore. Et l'aurore, c'est 4 heures du matin. Et demander à tout sorcier. Ils sont obligés de rentrer dans leur corps. Quand vous lisez le Genèse, le chapitre 32, le Genèse, le verset 26, vous comprenez. Et l'ange, alors que Genèse chapitre 32, le verset 26. Genèse est vraiment ça, les Amérique du Sud. Moi ici tout le temps de Souba. Allez, vous camion, 32, verset 26. Allez, bien, 32, le verset 26, on peut bien qu'on fait la lecture. Amen. Hein? Voilà qu'il n'était pas. Vainqueur encore, lui se tombe, le frappa à l'emboîture. Genèse 32, verset 26. Le verset, je connais Genèse dans ma tête. Là où tu allais partir. Le froid, ça doit être le tien. Il faut qu'on ait un bon moment. Il vit qu'il ne pouvait l'emporter sur lui. Il heurta Jacob à la coupe du fémur. Il se déboîta alors qu'il roulait avec lui dans la poussière. Il lui dit, laisse-moi car l'aurore s'est levée. Il dit quoi? Laisse-moi car l'aurore s'est levée. C'est bien comme ma il faut qu'il y ait un calé. Car l'aurore s'est levée. Il ne veut pas rester là jusqu'à l'aurore. On a connu que les idées. Quand l'aurore s'est levée. Puis il faut plus de coco du rôle. Il y a encore Jacob. On en a dit encore Jacob. Moi, la réponse de Jacob. Je ne te laisserai pas. Mais répondit-il. Que tu ne m'aies béni. Très bien. Mais c'est à l'aurore que tout se passe. Mais ce n'est qu'à l'aurore. Quand on a vu l'aurore, tu es parti. Tu as menti. Il a mon avis que les idées. Il vient de se garder. Il vient de se garder. Il lui dit, quel est ton nom? Est ça, là, Jacob. Répondit-il. Il reprit. On ne t'appellera plus Jacob. On a les dames de Seigneur. Alors, il est venu, ils ont combattu toute la nuit. Depuis où ils ont combattu toute la nuit. Non. Mais on a changé. Oh, le, qui a fait le milieu.
Celui qui dort après 4 heures, il a gâché sa journée. Il a gâché sa journée. Et le diable fera des terres. Vous savez que c'est à partir de 4 heures, les gens dorment bien. Amen. C'est là les garçons, mais ils sont chauds, 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 chauds. Il y a une longueur. 4 heures du matin. Les chanteurs vont ouvrir là. 4 heures du matin. C'est là, les garçons sont chauds. Il y a une longueur. 4 heures du matin. Parce que là, tout se réveille. Si pour ton garçon, là, ton mari, je ne l'ai pas. Il est à 32. Il m'a un piment rouge. Amène-le aux toilettes. Il faut le diriger. Il est malade. Il est malade. Comment il savait ça? À 4 heures là. Il n'a pas besoin de te parler. Ça va obligé de réagir. Si ça n'a pas réagi. Saint Piment Rouge, numéro 32, il est guéri. Il est guéri. Tout se passe à 4 heures. Là, tout se réveille. L'organisme se réveille. Et c'est là que tout se passe. La bénédiction. Ça m'a dit de 4 heures du matin. Sur les 4 heures, il faut passer à son service. La nuit. Et comme cette nuit-là, il y a eu des choses faites sur toi. Ils ont fait des réunions. La confrérie s'est réunie. Ils débattent des choses sur toi. Donc ils ont programmé des choses. Donc toi, à 4 heures, regarde, David dit, je dévance le rang. Demander, ça veut dire précéder avant le rang. 4 heures, moi déjà à 3 heures, 30, je suis déjà devant. Quand je suis colère, je lève ma main. Toutes les lions faites sur moi. Vous savez, c'est pour ça que les gens vous arrivent à vous avoir. Parce qu'on vous programme. Ils ont programmé la maladie à 9h. On dit à 10h, tu dois mourir. On dit telle chose doit arriver à 10h. Donc les problèmes, là, ça se programme. Donc à partir de 3h30 du matin, quand tu commences à parler, parce que la nuit va remettre le dossier à l'aurore. Et l'aurore va donner ça au jour. Et c'est pas parti de ton accomplissement. On est en mission. On a dit à 10h, tu vas me tomber malade. Et la Bible dit que tout ce qui vous déprogramme, c'est là. Eux, c'est les programmateurs. Eux, ils programment. Ils vont s'asseoir la nuit pour programmer les choses. À partir de la nuit, je suis bien. J'ai donné l'enseignement la dernière fois à Bro. Les deux femmes prostituées, c'est dans la nuit, il y a eu le troc. C'est la nuit, il y a eu l'échange. Je ne suis pas dans la nuit. Et tout ce qui n'était pas dans la nuit, à partir de 4 heures, tu commences à déprogrammer. Quand tu déprogrammes, c'est fini. Comme ça, on arrive à voir les sorciers. Là, ils programment. Ce n'est pas une question du Seigneur Jésus. Non. Tout ce qui a été programmé, c'est moi. La mort, je déprogramme. Maladie, je déprogramme. Problème, je déprogramme. Maladie, toutes sortes de difficultés. Tout ce qu'ils ont programmé contre moi au cours de cette journée, je déprogramme au nom de Jésus. Ils ont compris. David dit, je dévance le roi. Allez dans Jean 38. À partir du verset 12, vous allez bien comprendre. Amen. Jean 38. Jean 38, à partir du verset 12. Tout se passe là, tout se décide là. C'est ça que nos frères, les parents de moi, ils ne jouent pas à ça. Non, Jean 38, verset 12. C'est un bon psaume, je crois. On va le lire le psaume. Amen. Allons-y. Depuis que tu existes. Il dit, depuis que toi tu existes. As-tu donné des ordres? Il dit, est-ce que tu as donné des ordres? C'est-à-dire, est-ce que tu as donné des ordres? Après avoir annulé la programmation faite sur toi
Tu dois ordonner à la journée. Moi, je parle à la journée. Aujourd'hui, c'est le lundi, combien? 4 août. J'ordonne que cette journée soit pour moi une journée de bénédiction. Amen. J'ordonne que la bénédiction soit mon partage. J'ordonne que l'argent vienne dans ma poche. Vous négligez ça souvent. Comment ça va venir, je m'en fous. Mais j'ordonne qu'il y ait l'argent. Amen. J'ordonne qu'il y ait des bonnes rencontres. Les gens bizarres qui viennent d'annoncer la mauvaise nouvelle, qu'ils dégagent. Je ne suis pas venu porter une mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle au cours de la journée. Si quelqu'un doit être béni au cours de la journée, c'est moi. Chacun dans sa prière. Si quelqu'un ne doit pas être humilié, c'est moi. Amen. Quand après un zécal, zéco. Si quelqu'un ne doit pas tomber mal au cours la journée, c'est moi. Mais si pour Gouna, tu as entendu ce que j'ai dit. Je déclare que tu as pour moi une journée de bonne nouvelle. Une journée de bénédiction. Que tout ce qui est mauvais, écarte de moi. Est-ce que tu as commandé aux jours? Est-ce que tu as parlé aux jours? Pourquoi ça m'arrive aujourd'hui? Le soin était la parole. Et la parole est avec Dieu. La parole est en toi. Tu ne fais pas de toi un chrétien, fais de toi un esprit. La Bible même va plus loin pour dire que tu es un petit Dieu. La Bible même plus loin pour dire la bonne foi. La puissante créatrice. Oui, Dieu a créé le ciel et la terre par la parole. Et vous jouez avec le pouvoir qui est en vous. Comment le Dieu ne va pas avoir raison? Tu te lèves, tu pars bien pour le jour. Allons, je reprends le verset. Job 38, le verset 12. Il dit, depuis que toi tu existes, as-tu donné as dormi les ordres au matin? As-tu montré sa place à l'aurore? Est-ce que tu as montré sa place? Tu dois monter, tu dois dire à l'aurore. Toi, l'aurore, voici ce que tu dois communiquer au jour. Le jour a dit au jour que c'est pour moi cette journée. Il faut payer minus et là, il y en a pas. Et ceux qui me doivent là doivent me donner mon argent. Attends, tu ne m'as pas donné mon argent, tu ne sois pas en fait. Mon commerce doit marcher, Laura, t'as entendu? Mon commerce doit marcher. Si ils m'ont fait vendre, ça ne sont pas les mouches qui sont mes clients. Les hommes, c'est les mouches qui sont les clients. Les mouches viennent acheter. Vos poteaux, vos poissons, les mouches sont là pour acheter. As-tu montré sa place en place à l'aurore? Parle à l'aurore. Je m'en ai dit, ça doit marcher. Oui. Tant que pour moi n'est pas fini, d'autres n'ont pas marché. Est-ce que tu as parlé à l'aurore? Parce que quand tu finis de déprogrammer, il faut parler au jour. Il faut parler à l'aurore. Dis à l'aurore. Maintenant, je vais te commander. Le dossier que tu vas prendre, mon commerce doit marcher. Placalier pour les meilleurs ventes là, ça doit marcher. Là, placalier, là, pour le placalier, mais bien, mais ça. Je suis envie de mettre placalier pour le matin, venir chez moi. À moi, j'ai encore placalier, c'est le cas. En tout cas, il s'en va pas. Comme ça, il n'y a pas encore. Je sais pas. Moi, d'où est-il pas encore ça? N'a pas oublié les autres, donc on va venir chez toi. Quoi, pour moi, là, pour moi, pour moi, là, pour moi, là, quand Laurent même c'est quand le monsieur approche chez toi, il lui donne la pensée, allez, va chez Sultan là. Va chez Sultan, va bien. Amen. Il y a deux éléments dedans. Alors.
Depuis que tu existes, as-tu donné des ordres au matin? Est-ce que tu as donné des ordres? Donné des ordres. Si je dois te bénir, quelqu'un doit te bénir, c'est moi. Je commande que l'argent vienne de ma poche. Tout ce que je veux, on ne trouve pas que ça marche. Les gens bizarres, ils ne doivent pas te. On vient danser de Kwacha Kwacha. Alors, Kwacha Kwacha. Voyons-moi. Amen. C'est des gens bizarres qui viennent vers vous. Des fois, c'est moi qui ai le voilà. Maman, s'il te plaît. Bon, le maman, quand tu viens, pisse, pisse. Non, mais tu viens même, c'est pas ta gamme.